Coucou! Aujourd'hui, je veux te montrer comment moi j'ai fait ma promotion Black Friday. En fait, pour t'inspirer, toi, de la faire, ne pas traîner, tu as encore jusqu'à, tu vois, le Cyber Monday, tout le monde fait ça maintenant, de vraiment prendre ce que tu sais faire et faire une publicité, l'envoyer à ta liste, la présenter à ton groupe, mais vraiment, vraiment y aller à fond dans cet état d'être où tu sais que tu fais un cadeau, tu leur fais un cadeau parce que normalement tu ne travailles pas pour ce prix-là ou tu n'offres pas tes cours. Donc, je ne sais pas qui ici a déjà un cours en ligne existant ou quelque chose. Idéalement, pour une offre Black Friday, tu vas pas commencer à la créer, mais tu pourrais même inventer un nouveau package ou une nouvelle chose. Et donc, je te montre ici mon système, comment j'ai fait. Premièrement, j'ai fait un email. Avant l'email, j'ai regardé tout ce que j'avais. J'ai mis ça dans une feuille Excel et j'ai mis les différents prix, enfin, le prix normal. Et j'ai par la suite, dans cette même feuille Excel, mis le pourcentage de réduction que je voulais faire, tout en ça, en mettant les catégories. Parce qu'une des catégories, ce sont mes cours en ligne, et l'autre catégorie, ce sont mes coachings. Comme j'ai expliqué au début de la semaine, la réflexion est évidemment qu'on ne va pas travailler pour 15 euros de l'heure. Ça n'a pas de sens de faire ça. Surtout, tu ne sais jamais combien de personnes vont acheter tes packages à ce prix-là. Tu peux peut-être en vendre une centaine et puis là, tu es ruiné à la fin des 2 mois, évidemment, hein. Donc, pour les coaching packages, j'ai créé des vouchers et je les ai fait un joli design de vouchers, des différents vouchers que tu vois ici derrière, via Canva. Ça a pris quand même un temps. Je vais te montrer en fait l'email. Je crois que je partage ici, je partage mon écran. Et écran numéro 1, voilà. Là, on va partager mon email. Normalement, j'espère qu'ici, tout le monde aura reçu mon email. Dans lequel donc j'ai mis du texte et alors j'ai mis une liste avec aussi le lien de directement arriver dans mon shop. Je vous montre ça après parce que mon site web est fait sur Squarespace, Squarespace que j'adore, qui est d'une facilité inouïe. Je vais vous en parler un tout petit peu par rapport à WordPress que tout le monde utilise. Moi, j'aime pas du tout WordPress. Bref, coaching et soins. Donc, tu vois qu'ici, j'ai fait ça en groupe, des cours en ligne. Et aussi les méditations guidées. Je les ai structurées comme ça parce que pour mes coachings, il y a des vouchers. Justement pour la raison que ça, c'est mon temps de travail que j'offre. Et là, je ne peux pas faire ça à 50 ou 60% de réduction. Par contre, et donc j'ai mis la valeur des vouchers. Je trouve que ça, c'est important parce qu'un voucher, c'est vraiment un cadeau visible. Hein, tu peux l'imprimer, tu peux le tenir en main et tu peux avec ça aller dans un magasin et dire j'ai reçu un voucher. Et ça, c'est vraiment sympathique à faire. Et j'ai mis tout là-dedans. J'ai mis pour la retraite du féminin sacré, ça, c'est une exception. C'est vraiment mon temps que j'offre. Mais là, voilà, j'ai limité ça aussi à 5 personnes. Mais ça, c'est vraiment un produit de luxe, si tu veux, une journée. Et ça, je te propose, hein, si tu fais du coaching ou des massages, n'importe quel accompagnement que tu fais, offre des journées VIP, des journées retraite aux personnes. Tu t'imagines pas combien de gens ont envie d'une fois pouvoir vraiment avoir une journée où elles pensent à rien, on prend soin d'elles et elles se sentent avancées. Donc, c'est vraiment un cadeau de faire ça, mais ça a évidemment un prix parce que tu dois louer un endroit, un chouette endroit, et faire d'une sorte que c'est vraiment extraordinaire et exquis. Et donc, ça, c'est ici, j'ai fait un voucher. Tu as les différents coachings avec moi, tu as les soins énergétiques, j'ai mis un voucher parce que ça, c'est de nouveau, c'est clair que c'est mon temps. Tu as le cycle du féminin sacré et les cours de danse à Bruxelles. Là, c'est des cours en groupe. Donc, sur un groupe, quand tu fais un cours de groupe, même des ateliers, même des retraites, tu peux bien sûr, à ce moment-là, penser à un voucher parce que c'est ton temps, mais c'est quand même en groupe. Voilà, alors, les cours en ligne, eh ben là, les cours en ligne, chez moi, tu vois, ici, tu as les différents cours. Même j'ai eu cette idée, il y a un cours, La magie d'être une femme, qui a commencé début du mois et qui est en cours.
les modules tels qu'ils sont possibles de les faire vraiment sans avoir fait le début. Bon, c'est un cheminement, mais en réalité, tu peux. Et j'ai donc, si tu veux, coupé mon cours quelque part en deux et je permets aux personnes de rejoindre les deux derniers modules qui sont aussi des modules très importants. Et donc, évidemment, là, j'ai fait une réduction, mais pour respecter, et je vais remontrer mon visage, c'est mieux. Pour respecter les personnes qui ont acheté le cours entier, je ne vais pas faire une réduction de malades ici, parce que ces personnes qui ont acheté le cours au début du mois vont se dire, mais là, ce n'est pas juste. J'ai acheté ce cours il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, et maintenant, elle le vend pour des clopinettes. Tu vois, il faut respecter les gens avec qui tu travailles, aussi l'argent qu'ils ont dépensé pour travailler avec toi. Donc, dans ce sens ici, c'est aucune réduction, en fait, c'est le prix plein, mais à moitié, parce qu'il y a la moitié du cours. C'est important d'avoir ces réflexions. Tu peux pas aussi, si par exemple quelqu'un me contacte au début de cette semaine et veut travailler avec moi, je lui dis, mais attends, Black Friday, ou attends, je te fais tout de suite la réduction du Black Friday. Tu ne veux pas avoir des gens qui t'en veulent. Tu dis, ah, tu m'as vendu un truc à prix plat, et un jour après, c'est à 80%, c'est quoi ça, tu vois? Non, bien sûr que non, à ce moment-là, tu sais que tu vas le faire, donc il faut anticiper ça. Ici, qu'est-ce que j'ai d'autre? Attends, mon email est à gauche. Qu'est-ce que je partage mon écran pour te le montrer. Haps. Voilà. Alors après, tu as mes cours en ligne. Donc là, tu as chaque fois j'ai mis la durée. J'ai fait exprès de ne pas mettre le prix parce que je veux que les gens cliquent dessus. Je veux que les gens regardent un peu qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Donc, tu as une fois le lien vers mon shop où tu as toutes les choses que tu peux cliquer dessus, les acheter en ligne. Ça, c'est important. Si tu n'es pas encore à ça, je te recommande d'utiliser au moins le bouton PayPal qui est très facile à installer pour pouvoir ne pas devoir faire ça manuellement, quoi. Les méditations guidées, évidemment, et ici, alors, les vouchers. Donc, j'ai fait tu vois que c'est le design, ça m'a pris un temps fou, ça, de faire mon email. Je crois que c'était 4 heures minimum, si pas plus. Et donc, j'ai chaque fois répété, ce qui est chouette dans les emails aussi, c'est de mettre le PS. Les gens, souvent, ne lisent rien du tout, ils vont jusqu'à la fin du mail et là, ils cliquent. Donc, quand tu cliques, donc ça c'est Mailchimp. Moi je suis toujours chez Mailchimp. Pour le moment, je suis quand même très contente. Voilà. Et alors, toutes ces offres se trouvent sur mon shop dans Squarespace. Et tu vois ici chez Squarespace, tu as tous mes onglets et le shop, il est visible. Et quand tu vas dans le shop, j'ai mis ça hier soir à minuit, j'ai mis tout en solde. J'aurais pu, ça Squarespace le permet, mettre simplement tout à 50%. Mais comme dans mon shop, tu as aussi les choses comme ceci. Tu vois, ça, ce n'est pas sold. Hein. Pour ça, tu as besoin de ce voucher. Et le voucher, pourquoi? Parce que si tu veux t'inscrire à ça, à ce moment-là, moi, je veux déjà connaître la personne. Hein. Les gens qui ne me connaissent pas ne vont pas tout de suite s'inscrire à quelque chose de ce genre. Hein. Et voilà, tu vois, ici, tu as les cours. Donc, là, c'est un cours en ligne et tu vois tout de suite que c'est sold out. Donc, attends, je te montre ici. J'ai fait carrément un nouveau onglet ici. Tu cliques dessus dans Squarespace, tu tombes dans le produit lui-même. Tu as la magie d'être une femme, blablabla, l'explication des prix, purchase. Donc ici, il l'achète comme ça parce que le prix, il est déjà, c'est pas un bon exemple. Le prix est déjà réduit. Ça, c'est vraiment pas un bon exemple. Celui-ci, par exemple, tu vois. Tu vois que, ah oui, je ne suis pas dans le shop proprement dit, attends, je suis dans mon site web en fait. On va mettre un app, chandora.life. Voilà. Parce que quand je suis dans mon site web, ça se présente un tout petit peu différemment. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Donc ici, tu vois, il y a le sale. Et tu cliques là-dessus. Et tu as donc l'explication de ce que c'est et tu peux l'acheter. J'explique juste comment fonctionne le site de Squarespace. Et donc, ce qui se passe ici, Squarespace a retenu que j'ai déjà hier soir un peu testé les choses. Et ici, tu peux mettre le discount que je ne connais pas par cœur maintenant, mais qui est dans le voucher, tu vois. Et à ce moment-là, tu as la réduction. Si ça fonctionne avec un voucher. Ici, si le prix il est réduit,
à ce moment-là, bah, tu n'as évidemment pas de voucher. Donc, si c'est déjà le prix soldé, tu vois la chose. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ça, c'est pour expliquer brièvement Squarespace. J'ai donc écrit un email. Je vais aussi utiliser ManyChat. ManyChat est un outil pour envoyer ça aux gens par Facebook Messenger. Il y a des gens qui se sont abonnés à ma newsletter sur Facebook Messenger qui reçoivent maintenant ça dans une forme un peu différente. Peut-être que tu es abonné, tu l'as déjà vu. Et j'ai fait un Facebook Live. Je vais mettre ce Facebook Live. Je vais le partager ici. Peut-être dans le groupe, comme ça vous voyez comment j'ai fait. Je crois que c'est une bonne idée. Une chose que je fais toujours, moi, parce que moi, je travaille avec la loi de l'attraction. Avant de faire un Facebook Live, je me connecte, je mets mon intention et je me connecte à mes clients pour pouvoir vraiment être dans cette énergie de ce que je veux leur offrir et la possibilité que je veux leur donner. Et donc ça, j'ai fait ça, peut-être ça t'inspire, donc je vais le mettre ici, comme ça vous pouvez le regarder. Et je vais mettre ma vidéo sur un blog, sur mon site web, je vais mettre ma vidéo aussi sur YouTube, parce que j'ai maintenant des gens qui me voient sur YouTube, et via Buffer, qui est un outil en ligne pour les réseaux sociaux, je le mets sur LinkedIn, je le mets sur Instagram, je vais faire un Instagram IGTV, simplement faire un upload de ma vidéo. Voilà, et comme ça, je suis présent un peu partout et les gens me trouvent sur les différents canaux. Ce n'est pas compliqué. Je enseigne ça quand on travaille avec moi. Les personnes que tu as vues ici, ils apprennent le système de visibilité, comment tu fais un contenu et tu le réutilises, et sans que ça soit super lourd. Hein. On utilise des outils. Même si ces outils sont payants, je paye 13 euros par mois, donc ce n'est vraiment pas la mer à boire. Donc voilà, j'espère que ça t'inspire. Alors, ce que je voulais dire ici pour toutes celles qui n'ont peut-être pas encore autant de cours en ligne et pas autant de packages différents, moi, franchement, ça s'est créé depuis maintenant 2 ans seulement. C'est en 2 ans que j'ai créé tout ça. Et principalement, même pas, c'est 1 an et demi. J'ai commencé avec mon premier cours en ligne au mois de juillet l'année dernière. Donc, tout ça, c'est depuis 1 an et de, même pas encore demi, puisque nous sommes au mois de novembre. Donc, c'est possible de faire ça. Et si tu as un cours en ligne, je sais que par exemple, Laurence a un cours en ligne. Si tu as un cours en ligne, comme Patricia aussi et les personnes qui ont rejoint Zomba, prends ce cours en ligne et mets une offre en self-study, par exemple, sans ton accompagnement, peut-être même sans le groupe Facebook, mets ton accompagnement, mets ce cours, mets ça sur ton Facebook, mets ça dans tous tes groupes et offre ça au public. C'est une mine d'or sur laquelle tu es assise, toi, et c'est aussi de l'or que tu offres à tes clients. Pourquoi tu ne le ferais pas maintenant? Maintenant, tout le monde est en train de regarder les offres. Moi, aujourd'hui, je vais changer de fournisseur de téléphone et je vais peut-être m'acheter un nouveau téléphone. Le mien, il a 4 ans. Donc, oui, tout le monde. Et il y a des cours en ligne que j'ai vus, des gens que je suis qui sont magnifiques et je suis très, très, très tentée de vraiment aller acheter les cours de marketing et tout ça à tout petit prix, mais uniquement des gens qui m'ont été recommandés et les gens que je connais déjà et aussi qui normalement, ils seraient beaucoup trop coûteux étant donné que je suis déjà dans Zomba, que j'ai déjà tout. Mais il y a des petits machins comme ça où tu peux, par exemple, apprendre ManyChat ou des choses comme ça. Ouais. Donc, voilà, moi aussi, j'ai fait ça. Donc, j'espère que ça t'inspire, ce que je dis ici. Mets-moi les commentaires en dessous. Ah oui, j'ai fait un post dans le groupe. Vous pouvez mettre vos publicités Black Friday sous ce post et vous pouvez vous acheter l'un l'autre des trucs. Pourquoi pas? Échangez-vous, profitez-en. Vous savez que dans le groupe ici, ce n'est jamais permis pour le Black Friday. En dessous de ce post uniquement, on se comprend bien, vous pouvez mettre vos offres payantes, s'il vous plaît. Allez-y. Et je veux vous voir active avec vos offres. Je veux que vous gagniez de l'argent pendant ce Black Friday, que vous puissiez avoir aussi plus d'expérience et plus de clients. Allez-y, profitez-en, c'est le moment. Et c'est magnifique de le faire. Moi, je le fais. Alors, moi, je trouve ça vraiment chouette.
Gros bisous à vous toutes et un bon Black Friday jusqu'à lundi. Lundi soir, on a notre conférence sur le multi-level marketing, une autre manière de faire de l'argent sans devoir investir. Et j'espère que ça vous intéresse ici. Et aussi, on va pouvoir s'échanger sur vos gains avec le Black Friday. On va célébrer ça. Yes, on fait ça. Bon week-end à tout le monde. Bye bye.